Eh bien bonsoir, comment ça va là? Et regardez, est-ce qu'on n'est pas sur un peu du Disney Dreamlight Valley un peu là? Ah c'est bon, il apparaît. Regardez-moi ça. Ça fait longtemps. Du coup avec tout ça là. Donc comme je l'ai dit, on va reprendre les streams petit à petit. Donc on commence cette semaine avec du Disney Dreamlight Valley parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Faut que je fasse les quêtes. Et on a deux persos qu'on doit débloquer encore. Donc faudrait qu'on s'en occupe. Donc on doit débloquer le prince Eric et Stitch. Donc le prince Eric, normalement j'ai déjà débloqué la quête pour l'avoir. On va peut-être juste attendre que Ursula ne dorme pas. Je sais que d'habitude à cette heure-là il dort. Et Stitch, bah je sais pas trop, donc on va voir. On va voir, on va voir. Non, mais la dernière fois qu'on y avait été, il y avait la voix pour Noël. Malheureusement, je pense que là, c'est terminé. J'aurais bien voulu avoir la cheminée. Attendez, il faut que je descende ma cam. Ah, je peux pas. Ah, si. Hop. Voilà, là, ça devrait être bien. Là. Hop là. Merde. Allez. Hop, voilà. Donc les sous-gongs. Faut avancer des quêtes. D'ailleurs je crois qu'on a acheté aussi des persos qui doivent être genre niveau 10. Il me semble qu'il y a Vaiana qui est niveau 10. Donc on va pouvoir terminer ça. On va se faire un peu de thunes aussi. Ah merde, j'ai pas descendu assez la cam. Voilà. Ok. Bon, ça fait longtemps. Est-ce que je vais me souvenir des touches? Faites voir un petit peu. Oui. Attendez, on va ranger un peu ça là. Hop. Oh, j'avais gardé pas haut parce que j'en avais plus pour les recettes et tout. Donc on va aller ranger ça. On va faire un petit tour au magasin et tout. Donc comme on faisait avant. Tac. Alors, il y a de la place là-dedans. Je crois que je n'en ai plus, je peux mettre ça n'importe où. Peut-être ranger les champis aussi. J'avais tellement des champis. On l'a vu. Pourquoi j'ai ça? Oh, c'était une quête avec Mini. Et j'avais dû récolter la mauvaise fleur. Ou une fleur en double. Un truc dans le genre. Bon. Parfait, parfait. Bah attendez, tant qu'on est là. Ah, j'en ai 4, je pensais que j'en avais un peu en plus. Après, du coup, j'ai pas pu avancer hors stream. Donc, ça, normalement, c'est la quête pour débloquer le dernier perso. Et pour Stitch, peut-être qu'il faut qu'on retrouve encore une chaussette à l'extérieur. Donc, on verra, on verra. Hop là. Alors. Oh oui, c'est vrai qu'on avait eu lui, lui, trop mignon. Allez, faites voir l'événement. T'es encore là? Il reste 7 jours! Oh bah attendez, mais je vais peut-être pouvoir la voir alors la cheminée. Ah, le tapis est stylé en vrai. Faites voir l'émission. Attrape du poisson dans la prairie, vend des oignons. Attrape un tasacre. Récolte quelque chose de sucré. Serre les clients au restaurant. Oh ça faut faire je pense. Cuisine des cakes aux fruits. Attends, 3 trucs pour restaurant, ça donne 30. Il me permet d'avoir assez pour acheter des trucs directs. Vas-y, on va aller voir. Il y a des gens au restaurant. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une déco Noël. Je sais plus si j'avais fait hors stream ou en stream. J'avais mis une haie ici. Pourquoi il n'y a plus? What? C'est pas normal ça. Comment ça se fait qu'elle est plus haut? C'est dans arbre, non? Ouais, j'avais mis ça, non? Elle a disparu. Ah, ou pas, parce que ça tient pas. Ah, bah j'ai rien dit, j'avais peut-être pas mis alors.
Bah mince. Oh. Est-ce qu'il y aurait autre chose à mettre? Non, ça c'est nul. Un truc qui serait stylé. Ça. On peut faire un petit mélange de couleurs, peut-être. Autour. C'est tellement random ce que je suis en train de faire. Ouais, non, peut-être pas ça en fait. Plutôt les buissons avec des fleurs. C'est plus joli, je pense. Bien, on continue autour. Comme ça, hop. Jusque là. Et celui-là, on l'enlève. Celui-là, on l'enlève. On remet ça un peu plus dans le coin. Ah merde! Il m'a enlevé un buisson. Donc peut-être plus. Là. Ou alors peut-être que j'avais mis et genre j'ai pas fait gaffe en mettant un sapin, ça va peut-être enlever le truc. Possible aussi. Allez, comme ça. La petite déco de Noël. Bon, il restera peut-être pas là tout le temps, mais. Allez, hop. Bon, le restaurant. Je vais voir un petit peu. Salade ranch et pizza aux champignons. Ça devrait pouvoir se faire. Comme ça en fera deux. Alors, on va commencer par la pizza aux champignons. Est-ce que je l'avais débloqué? Pizza aux champignons. Ah, j'ai pas de fromage. Hop. Mauvaise. Salade, salade. Pizza, pizza, pardon. Pizza, 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 pizza aux champignons. Comment ça à cuire? Hop, pardon. J'ai oublié une étape. J'ai oublié le remplissage auto. Hop! Ok. Et la pizza ranch. La salade ranch. N'importe quoi. Salade, salade, salade. Salade ranch. J'ai tout? Putain, j'ai pas d'oignon. Oh putain, j'ai pas d'oignon. Bon bah tiens, toi déjà. J'ai ta commande, oui. Bientôt niveau 9. Ça serait bien de monter de niveau ce soir. Histoire de terminer les quêtes avec Anna. Hop. Bon, faut qu'on aille chercher un oignon. Je crois que les oignons, on peut les acheter dans la forêt, je crois. Mais est-ce qu'il va y en avoir? Ça, c'est pas sûr. Et dingo. Oh, attends, il y a un petit coffre là. Ah, et puis il va falloir qu'on fasse qu'on récupère tout ça. J'ai combien d'argent? C'est pas là. 82 000. Oh bon, mais c'est bon. Je vais pouvoir faire au moins une maison de Riku Stitch quand on aura. Je crois que c'est là, mais je crois qu'on n'a pas. Hein. Ou alors c'est au Bayou, je confonds. Bon, on verra. De toute façon, il faut qu'on améliore les stands niveau max. On a des trucs à terminer. Je sais plus si j'avais terminé d'améliorer les. Le bateau de Vaiana. Le jardin, je sais que c'est fini. Après, on ira faire un tour au magasin.
On va essayer de prendre le citron, le citron. Plein de citron. Oh, plein de cacao. Ah, attends, récolter des trucs sucrés, est-ce que ça compte la fève de cacao? Ah non. Merde. Donc je pense que c'est que la canne à sucre. Malheureusement. Eh, en soi, les fruits, c'est sucré, hein? Oh! Comment ça, ça compte pas? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Non, mais où? Vas-y, on va récupérer la Dreamlight. Hop là. Bon, ce petit jardin là-bas, il fait plaisir. Hein. Ça marche bien, on récolte plein de trucs. Vraiment cool. Hop. Parfait. Je suis pas sûr d'avoir assez de place pour récolter tous les légumes. Donc on va vendre des fruits. Ça, ça sera fait. Petit citron qui est tout seul. Hop. Parfait. Ok, les légumes. Attends, on va sauvegarder au cas où. J'ai toujours peur qu'il y ait des bugs et tout. Eh ben, regardez. Ouais, il y a deux citrouilles, incroyable. Oh, mais attends, mais il y a deux lions ici. Ah, bah, c'est bon, parfait. Est-ce que les citrouilles ça compte pour quelque chose de sucré? Après tout ce qui est dans le jardin d'habitude ça compte pas. Donc bon. On va peut-être aller faire notre salade tout de suite du coup. Hop. Ça, ça fait bizarre d'être mis ici quand même. Je pense pas qu'il restera longtemps. Hop, alors la petite salade. Donc l'oignon, je pense qu'on on le revendra pas si on en a pas d'autres. Hop. Il m'en restera deux. Parfait. Hop. Alors Merlin. Pour moi ta salade là. Cadeau. Comme ça il me manquera plus qu'un truc. Parfait. Et du coup c'est en vrai si je joue demain au stream je pourrais débloquer le la cheminée. Nice. Bon. Ursula dort. En vrai c'est bien ce que je pensais. C'est chiant. Donc ce qu'on peut faire c'est essayer de trouver le truc avec Stitch. Je crois qu'il m'en manque peut-être un. C'est où c'est? Non ça c'est la quête de Donald. C'est peut-être pas là-dedans. Peut-être que je confonds. Je pensais qu'on débloquait un truc. Mais peut-être pas. Bon, on va voir si je trouve une chaussette. Est-ce que c'est tout le temps sur la plage ou pas? Ah ouais non mais attends déjà je vais aller revendre tout ça, on va aller chercher les poissons, on va revendre des poissons. Mais attends mais il y a un stand là-bas, on va aller là-bas. Comme ça on sera à côté. Bah loin. Marche pas? Ah mais ok. Salut. Bon, non. Alors, on a dit qu'on gardait l'oignon, parfait, il est tout seul dans son coin. Merde.
Hop. Ça fait plein de thunes, ça c'est bon. Hop. Voilà. 4000 balles. Toujours rien de récolter, truc sucré, toujours rien dedans. C'est vrai qu'on peut enlever les rochers et mettre une maison ici. On verra, pour l'instant j'ai pas non plus fait énormément de trucs de déco. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chaussettes de ce côté-là, donc peut-être sur la petite île là-bas. Après, peut-être que ça te part. Ah oui, donc ça, c'était pas fini. Bonjour. Et ça coûte 50 000. Ah, bien m'en débarrasser, mais en même temps, ah, bien économiser pour pouvoir faire directement les maisons. Les deux personnages qui nous manquent. Attends, ça je garde. Vend deux poissons. Alors, est-ce qu'il y a un truc ici? Non, y a rien. Y a rien, y a rien. Donc, je pense que c'est dans une autre zone. Ouais, je me demande si j'en avais pas une dans la forêt aussi. Vas-y, on va aller voir au bayou en premier. Ah, mais attends, j'avais pas vu le coffre là. Nice. Non, est-ce que derrière là? Non, ok. Donc descendons. Faut qu'on améliore les stands. Hein. Histoire d'être tranquille avec ça. Pour l'instant, je vois rien. Pour la quête de Stitch. Enfin, ça, c'est d'argile. Pop-pop-pom. Bon bah je pense que c'est pas là du coup. Vas-y, on va voir au plateau ensoleillé. Je sais pas si ça peut aller dans les dernières zones et tout là. Je sais pas à quel niveau on est censé pouvoir débloquer Stitch. Quand on commence le jeu. Pas forcément quand on a Donald. Vu qu'à première quête c'est avec Donald. Donc minimum quand on a la forêt. Intriguant, c'est toujours fermé ici. Oh bah, je suis bête, de toute façon j'ai pas fait de mise à jour. On n'y voit rien dans cette zone. Vivement qu'on puisse purifier cette zone. Ah, je pense pas que ce soit là en vrai.
Il y a plus de chances que ce soit dans la forêt ou alors dans la zone enneigée. Ici, ça me paraît compliqué. En plus, c'est assez bordé dans la zone. Et pas mal de quoi pouvoir encore. Coffre avec les objets et tout. Y a rien qui m'intéresse. Oh toi! Vas-y, comme ça on va se débarrasser de la peur. Cadeau. Ouais! Et tu me donnes. Oh! Pas trop doré. Nice. Ah bah attends, mais on avait pas de notif avant, je crois, quand on débloquait. Ah! Quoique. Ah non, en vrai, aussi on en a peut-être. Peut-être rien dit. J'avais pas de souvenir de voir des notifs, mais en fait. Je me rappelle voir les écureuils, il me semble. J'avais pas beaucoup, hein. Oui, attendez, on va aller dans la forêt. D'ailleurs, j'ai pas débloqué le puits de la dernière zone encore. Alors. Et voilà. Fais tout pour détruire. Oula. Une autre chaussette. Tu vas devoir faire des recherches pour savoir à qui elle appartient. Oh, on est dans la zone avec Christophe. Donc ah mais on a une quête avec Christophe. Ah mais non c'est... Ok lui c'est la quête. On vient de commencer. D'accord. My bad. D'ailleurs Christophe niveau 10 ça serait... ça ferait plaisir. Comme ça on aurait son stand niveau au max. Ça serait cool. Est-ce que j'ai mal remis ma cam? Voilà, là c'est mieux là. Wesh Christophe! Salut! Eh hey, Pika! Wait! Disaster Sock! Pas traduit? Ah, c'est. I found it lying on the ground. It's orange, so I figured it might be yours. Tu sais, vu que tu as mes carottes. Désolé, non, c'est... ce n'est pas moi. Et c'est vraiment. C'est pas vraiment orange carotte. Hein. Regarde un peu plus, ça ressemble à un orange. Citrouille. Ils ont oublié de traduire ou. J'ai pas mis mon jeu en français. Ou le jeu, ils sont enlevés du français. Oups, désolé, my bad. Attends une seconde. C'est pas mon stock, mais. Ça me rappelle quelque chose, je crois. Je crois que j'ai déjà vu avant. Ah, la bibliothèque de Merlin. Qui. Je pense que je vais aller regarder. À bientôt. Merlin. Ah non, c'est français parce que. La quête elle est écrite en française. Donc, vous voulez traduire Christophe? Ou toute la quête là? On va faire comme si on n'avait rien vu. Ou alors dans les options maintenant on peut choisir Non je pense pas. Non c'est qui? Non je pense qu'ils ont oublié de traduire. Donc Merlin. Attends, il y a encore un restaurant? Oui. Que c'est ta chaussette? Donné. Bonjour.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici, Pika? Bonté gracieuse, ma chaussette! Je vais chercher partout. Une chère amie les a fait apparaître pour moi il y a longtemps. C'est la paire que j'aime le plus. Quand je les tiens près de moi, eh bien, je peux presque me souvenir de son visage. Attends un instant. Il y a que cette chaussette est un peu imbibée de salive. C'est d'abord des extraterrestres. Des extraterrestres, dis-tu? Il y a quelqu'un qui vole les affaires de tout le monde et les éparpille partout. T'as peut-être entendu Donald en parler? Oui, j'ai entendu parler d'extraterrestres. Mais nous avons assez d'embrouilles magiques ici sans avoir à nous soucier de cela. Alors, est-ce que tu penses que Donald fait fausse route? Ou as-tu remarqué quelque chose d'autre a disparu? Maintenant que tu en parles, quelqu'un a chapardé des livres et a causé une grande agitation dans la bibliothèque de Dreamlight. Peut-être que je peux trouver des indices là-bas. Bien, tu peux y aller maintenant. La bibliothèque de Merlin. Ok. J'ai peur que si je termine la mission, genre ils vont m'en demander. Oh, revenez demain pour que Stitch soit là. En même temps, je vais pas faire ça en stream. Moi, je vais avancer ça en stream. Vous voyez. Oh putain! Ah oui, c'est pas un peu le bordel, c'est beaucoup le bordel. Ok, j'ai cru qu'il voulait pas. Hop, 4, il est au dernier. Il est là. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Une griffe? Apporte la griffe mystérieuse à Donald. Ok. Et you Donald. On n'a pas été au magasin encore. Il est chez lui. Et du coup. Alors, Donald. Tac. Ah bon, on ira voir la tortue après. Lui donner à manger. Griffe mystérieuse. Oh là là, regarde ça! C'est une preuve! Ce morceau de griffe doit provenir d'un extraterrestre. Tu as toujours cet étrange appareil? Un peu, mon neveu! Et il fait beaucoup de bruit. Je vais mettre le morceau de griffe dedans et voir ce qui se passe. Ah. Quack! Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout allumé, l'écran dit. Correspondance ADN autorisation complétée à 100%. Veuillez placer la balise pour initier le protocole d'atterrissage. Restez à l'écart pour votre propre sécurité. Et ça veut dire? Je pense que ça veut dire que cette chose est une sorte de balise d'atterrissage. On doit poser ça quelque part et ensuite ce vaisseau extraterrestre atterrira. Et ensuite nous pourrons attraper les extraterrestres voleurs de chaussettes. Bonne idée, Pika. Maintenant personne ne doutera de moi la prochaine fois que je verrai quelque chose de suspect dans le coin. Allons le posé sur le rocher du crâne, près de la plage enchantée, pour plus de sécurité. Oh, c'est pas là-bas que j'aurais posé, mais ok. Ouais, poser devant chez Maui, là, il y avait de la place. Là-bas, c'est un peu le bordel, quand même. Bon. La petite tortue est encore là. Allez. Allez, tiens, mange. J'ai pas ouvert mon cadeau encore. Miam. Ouais. Parfait. De nouvelles bestioles aujourd'hui. C'est bien. Ça avance. Hop, comme ça on la garde. Vas-y, on va ouvrir le cadeau du coup. Bracelet simple en cuivre. Ok. Est-ce que il y a une autre tortue dans le coin? J'en vois pas. Bon. Balise d'atterrissage. Oui, c'est grand. La vache.
Ah. Direct. Ah, super. Oh, je t'ai, je suis là. Ouais. Eh, coucou toi. Je m'appelle Stitch. Fiu, Iki Bakuta. La chadinée. Stitch. Excuse-moi. Est-ce que c'est toi, extraterrestre, voleur de chaussettes? Simplement observé. Ouais, voleur de chaussettes. Oh, des chaussettes? Ouais, chaussettes, bon carburant pour vaisseau de Stitch. Mais maintenant, vaisseau écrasé. C'était toi? Ce n'était pas mon intention. Nous voulions juste t'empêcher de voler toutes tes chaussettes. Lui, c'était moi. Ce n'était pas mon intention. Bravo, Nupuji, mon vaisseau est cassé, ta faute. Arrête. Je pense que ton vaisseau avait un problème avant même qu'il ne s'écrase. On dirait que tu avais du mal à le manœuvrer. Gabo Team. Ouais. Gabo, ouais. Ok. Merci. Ah oui, d'accord, il est là du coup. Ok. Il est là. Incroyable. Est-ce que du coup ça compte comme si j'avais débloqué maintenant ou pas? Non, je suis toujours à 19. Ah, bah te là. J'ai vu cet extraterrestre bleu sortir de son vaisseau spatial. Je me souviens de lui avant l'oubli. Il s'appelle Stitch et il adore causer des problèmes. Mais je pense que l'oubli a fait de lui un fauteur de troubles encore pire qu'avant. Tu sais ce que ça veut dire, Donald? Tu avais raison depuis le début. Il y avait bien un extraterrestre qui volait les chaussettes de tout le monde. Je le savais. Et personne ne m'a cru. J'étais le seul à avoir tout compris. À présent, tu peux t'en vanter auprès de tout le monde. Oh non, il va devenir encore plus chiant. Je pense que nous avons des soucis plus importants. Je laisse pas ça monter à la tête. Oh, t'inquiète pas, Pika. Tu me connais, je suis très humble. Pas sûr. Bien, alors tu ne seras pas trop occupé à te vanter pour m'aider avec Stitch. Oh, je suppose que tu as raison. On ne peut pas laisser Stitch détruire des choses dans le village. On doit l'attraper, mais comment? Eh bien, son vaisseau spatial a été détruit, je suppose que c'était son seul endroit pour vivre. Ça semblait le rendre assez furieux. Peut-être qu'on peut commencer par demander à ton oncle Picsou de lui faire une maison. C'est une bonne idée. Comme ça, Stitch pourra saccager sa propre maison au lieu de la mienne. Ah, nice. Bah, moi, je trouve qu'il irait bien sur la plage. Et en vrai, ici, ça serait bien. Regardez, là, hop là. Et ça, on va le mettre comme ça. Bon, maintenant, combien ça va coûter cette merde? Bonne journée à toi. Pika, ce petit bonhomme bleu sème la pagaille dans toute la vallée. N'est-il pas un brin destructif? Toutes ses propriétés dégradées et j'ai mal au portefeuille rien qu'à y penser. Nous devrions lui créer un endroit rien qu'à lui où il pourra détruire tout ce qu'il veut. Oh, que débile! Oh, mais c'est donné ça! Oh là là! Une maison que Stitch pourra démolir pour éviter qu'il démolisse sa vallée. Quelle brillante idée! Heureusement que j'y ai pensé. À présent, tu n'as pas à t'en faire. Ce sera fait en un clin d'œil. Après tout, c'est une urgence. Oh, ça va bien sur la plage en vrai. Le petit bâtiment. Où Stitch est parvenu de sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il fait, Donald? Calme-toi. Encore toi? Et ouais. Je vais m'excuser. Tu t'es construit un petit quelque chose. Tu dois arrêter d'embêter les autres bateaux villageois. Ah! Construit quelque chose pour Stitch? Nouveau vaisseau? Quelque chose d'un peu plus durable. Un endroit spécial dans le village juste pour toi. Endroit spécial? Endroit spécial comme maison? Exactement. Oh, Stitch veut avoir maison. Je m'appelle Pika. Tu ne te souviens probablement pas de cet endroit à cause de l'oubli. Le ciel s'est assombri et les méchantes épines nocturnes ont poussé. Stitch est parti dans le vaisseau pour trouver aide pour tout le monde. Mais besoin de carburant. Alors Stitch revient. Trouve des choses à mettre dans le vaisseau pour aller plus vite. Quel genre de choses as-tu mis dans ton vaisseau?
beaucoup de choses, chaussettes, livres, épines nocturnes. J'ai essayé d'utiliser les épines nocturnes comme carburant. C'est étonnant que Vezo faisait n'importe quoi. C'est surprenant que tu ne veux pas écraser plus tôt. Ça a fonctionné? Non, pas bon. Et ensuite, les épines nocturnes donnaient mal à la tête. Alors je perdu. Je n'ai plus perdu Stitch. Pika, je suis pas bas. On est amis? Nous sommes tous amis ici. Bon retour à Dreamland Valley. Mais promets-moi juste que tu vas rendre ces chaussettes, ok? Oui, oui, promis. Abada. Waouh. Oh! C'est aujourd'hui ça. Merci. Ça devient quoi? Des herbes de chaussettes. Ah, c'est des. Oui, d'accord. Mais. C'est des chaussettes, c'est des collants là. Oula! J'ai mal à la taille du truc. Bah, super. Il me manque plus qu'un perso, let's go, mais faut attendre que Ursula se réveille. Elle est chiante. Hop. Et du coup, ça va rester là? Peut-être. Bah, peut-être commencer Vaiana, du coup, vu qu'elle va aller dormir à un moment. Mais il faut qu'on fasse un tour au magasin avant. Ouais, il faut visiter la maison de Stitch. Vas-y, vas-y, je veux voir comment ça à l'intérieur. Oh ouais, j'aime bien l'emplacement, ça fait un peu. Ça fait un peu un phare, mais pas non plus. Okay. Musique. Oh, c'est beau celui, putain. C'est trop bien sa maison. What? C'est trop bien sa maison. Les vitres et tout. Oh la chance. Il y a trop de la chance. The fuck. Ok. Bah il se met bien les petits Stitch. Bon. Le magasin. C'est parti. Alors, petite chaise monte de rifle. Ouais. Ça coûte combien ça, 2000? Bah, j'allais dire, c'est peut-être bien pour ma cuisine, mais mes meubles ils sont déjà blancs, je crois. Donc ça va faire trop blanc, je pense. Bah 600 ça coûte pas cher je crois. Ok. Ouais bon c'est pas non plus incroyable. Les objets. Ok. J'aimerais bien améliorer au max le bateau de Vaiana mais ouais je vais attendre d'avoir la maison de Eric. Genre si elle coûte 20 000 balles, ça va. Et du coup ça me laisse de la marge pour ça et peut-être même quelques stands. Et si ça coûte 40 000, là, ça va faire un peu plus mal au portefeuille. Un peu... Oh, mais attends, c'est sur le restaurant, il va me faire le truc du restaurant. En plus de monter au niveau. Oh. À moins que ce soit un plat que j'ai pas débloqué. Bonbon à la menthe. Oh putain, let's go. Oh, Stitch, je t'aime. J'ai plus beaucoup de canne à sucre, la vache. Bonjour. Salut. La commande, bon. Cadeau. Oh là, niveau 3 direct. Donc on va avoir une quête en plus. Fais voir un peu ce qu'il donne. Oh. Sympa. Ah ouais, on a son vaisseau à la fin, ok. Bon, je pense que le but, ça va être de réparer son vaisseau. Logique. Stitch, qu'est-ce qu'on prend, toi?
Oh, cueillette. Allez, cueillette. Oh, let's go. À moi la cheminée. Oui. Ah, je suis content. Je suis content pour la cheminée. En vrai, le traîneau du Père Noël, ça aurait été aussi stylé en... En objet, mais bon. Ah, en vrai, j'ai une semaine pour y arriver. Faut voir. Avoir 20 villageois. Au niveau 4. Ouais, je suis content pour l'espiner. C'est cool. Bah parfait. Est-ce que j'ai une autre mission pas trop chiante? Cuisine des cakes aux fruits. Récolte quelque chose de sucré. Y'a canne à sucre quand la récolte, ça nous en donne combien? Une. Ah ça c'est la crise mais bon. En vrai. C'est quoi ça? Okay, pourquoi? Mais what the fuck? Mais. Ok. Oh mon dieu. Ça me fume. Je vais acheter des cannes à sucre, je pense qu'on va aller planter ça. Ça va. On va en acheter 40 du coup. Oh, ouais, ouais, ça coûte pas cher en plus. Et après, faut qu'on aille voir Vaiana. Est-ce que j'ai la place pour tout planter dans chez moi? C'est pas sûr. Toujours pareil par ici. Toujours rien fait de beau. Bon, 40. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Attends, récupère tout. 26, 27, 28, 29, 30. Merde. Est-ce que je vais avoir le temps? Encore deux. Encore un. Et pas plus. Manque un trou à faire. Et après on plante. Hop là. Voilà. Allez, let's go. Petite canne à sucre. Comme ça, ça nous offre un petit stock. Peut-être qu'on peut utiliser un villageois cacueillette pour le monter de niveau en plus.
pour en avoir en plus, plus de canne à sucre. Et comme ça nous fera des quêtes de mission. Donc c'est tout bénef. Mais trop mignon, le petit renard. Un bubou. 3, 2, 1. Ok, let's go. Faut les arroser combien de fois ces trucs? Je sais plus moi. J'espère qu'eux, une fois, ça suffit. C'est pas marqué le nombre d'arrosages, il me semble. En vrai, c'est des cannes à sucre, je pense qu'en un arrosage, ça suffit. C'est pas un truc qui s'arroserait plusieurs fois, je pense. Ouais, je vais te ranger ma terre. Là. Ok. Parfait. On va aller voir Valiana tant que ça pousse. Canne à sucre, c'est 30 minutes, hein, je crois. Ah non, 7 minutes! Oh, mais c'est super rapide! Ah oui, il y a ça aussi. Le café. Oh, comment on a le café? On n'a pas de quête avec Rémi. Non, on n'a pas de quête avec Rémi. Il n'y a pas d'amélioration. Ah, ou alors, attends, j'ai juste pas vu le café sur... Putain, mais lui, c'est ça, en fait, il est juste là. Ah, mais non! Non, il n'y a pas de place. Ah, donc c'est peut-être un objet à débloquer pour le faire pousser une première fois, comme la notre coco. Je vois. Ok. Bon, Valiana, t'es où? Là-bas. Il est passé où? Oh putain. Il y en a là aussi. Allez là. Bon, Valiana. J'aurais besoin de ton aide. Tika, j'étais en train de penser à toi. Tu sais, tous ces éclats de meneurs que nous avons trouvés. Je me rappelle enfin de quoi il s'agit, tu veux savoir? Oui, absolument. Dans mon île, Motonui, nous avons une tradition. Sur la plus haute montagne, il y a une pile de pierre. Chaque nouveau chef dépose sa propre pierre sur la pile. Quand tu le fais, tu fais agrandir toute l'île. Maintenant, je vois que les éclats de meneurs ressemblent à cette pierre. Chacune d'entre elles témoigne de son essence de meneur et ensemble... elles font de toi un dirigeant. Donc on doit empiler ces éclats de meneur. Oui, mais c'est plus que ça. Donc on doit empiler ces éclats de meneur sur un hôtel. Nous n'avons pas sur l'île. Alors nous devrions en construire. Encore une chose. De quoi s'agit-il? Je crois que tu devrais diriger à mes côtés parce que... tu es un grand dirigeant. Merci, ça me touche énormément. Mais si tu veux que je fasse partie de tout ça, tu devras retourner sur l'île où nous sommes rencontrés. Mon éclat pourrait être une conque. Si tu en trouves une, utilise-la lorsque tu construiras l'hôtel. De cette façon, je serai toujours avec toi et on se serrera les coudes. Quand tu auras tout, trouve un endroit pour l'hôtel près de chez toi et viens me trouver. Oh, et tiens, reprends les éclats de meneur. Tu en auras besoin pour la cérémonie. Ok. À bientôt. Donc, ouah, 10 lagos de fer. Toujours plus. Après, normalement, il me semble que j'ai de l'avance. Donc, on va retourner dans son royaume. Pas que j'ai des notifs Discord qui me stressent, là. Tant que ça se lance. Hop!
Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh mais c'est Gojo, mais sur rien, pitié. Alors... Ah c'est ça? Ouais c'est ça. Donc il m'en faut encore deux. Cette zone il y a des trous partout, j'ai rien rebouché. Eh, hop là. Parfait. Ah, j'avais pas vu 52 pierres. Heureusement que je suis normalement je suis plus large. Ça veut dire que j'avais pas de lingots de fer. Il me semblait que j'en avais économisé chez moi. Regarde, je les avais utilisés. M'étonne. Ou alors c'est parce que j'ai des pierres sur moi et ça compte ce qui est sur moi. Ah ouais, je pense que c'est ça. Je vais aller voir mes lingots de fer du coup. Alors non. Non. Non plus. Elle adore l'or. Après j'ai plein de minerais. Donc peut-être que je les ai juste pas transformés. Voilà, bon, je les ai peut-être pas transformés alors. Normal bad. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Hôtel. Il faut que je passe ça près de ma maison. Bois. L'eau. C'est bien, l'eau. Ah, mais c'est plus petit que je pensais. Bon. Non, de toute façon, là, on n'y va jamais. Okay. What? Ah, mais tout cas poussé. Ok. J'étais en mode c'est quoi ce bruit? C'est Stotek qui fait ça? Mais non. Bah alors attendez. Qui a de la cueillette? Non, jardinage, pardon. Non, non. Non. Ah, mini. C'est où Mini? Hein? Ah putain mais elle est au magasin. Je m'emmerde Mini. Il y a Pixie aussi qu'il faut que je termine sa mission parce que lui j'y pense jamais et... Enfin pas sa mission mais il faut que je monte niveau 10. Eh bien, en fait, j'ai mis plus de monde tout de suite dans la cueillette. Et du coup, la cueillette, c'est pour les fruits, du coup. Moi, bon, je pense. Du coup, faudra peut-être que je pense à utiliser plus souvent. Picsou, s'il a ça. En vrai, ça devrait être simple à monter. Et je vais restream pour monter. Et pour la prochaine phase, de toute façon. Oh, ouais. Hop 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 hop. Oh ouais, la dingue. Je pense pas à l'utiliser au... Faut que je pense à plus utiliser que ça. Hein. Les missions et tout, c'est tellement rentable. Mais regardez ça. Pop, pop, pop. Ah, ça a disparu.
On en avait 40 et on s'en retrouve avec 67. Enfin. Ah bon. Ah, elle a pas monté de niveau, mais franchement, pas mal. Hein. Tout est prêt? Il ne reste plus qu'une chose à faire, poser les équelles meneurs sur l'hôtel. Bientôt. Il va faire un tour plus tard. Merci, Méné. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, en termes de canne à sucre, du coup, on est large. Après, ça donne peut-être pas beaucoup d'XP parce que c'est que de la canne à sucre. Ça pousse en 7 minutes et tout, c'est rapide. Peut-être pour ça. Hop, voilà. J'ai des cerises. Pourquoi j'ai des cerises? Ah oui, tu me suis encore. Oui, pardon, on finit, t'inquiète. Comme ça, on aura terminé toutes ces quêtes. Hop. Hop là. Waouh. Ça semblait vraiment important. À l'instant, tu as vu ça? Une nouvelle constellation est apparue dans le ciel. J'imagine qu'elle représente ce que nous avons fait ensemble. Et notre capacité à diriger. C'est formidable. Tiens, je tenais quelque chose pour la cérémonie. Waouh. Et pour m'assurer que tu es prêt à d'autres aventures à venir. Ah non, c'était une fin. Je pensais qu'elle allait dire un truc de truc après. Ok. Bah parfait, on a terminé les quêtes avec Vaiana. Bon. Je parie qu'Ursula dort encore. Bon bah on va aller voir Buzz. Attends. Ah oui, événement, pardon. 15. Let's go. Et des fleurs rouges. Oh, ça devrait pas être trop chiant faire ça. Vu qu'il y a des fleurs rouges un peu dans tous les biomes. Hop. Alors Buzz. Pika. Penses-tu être vraiment en mesure d'affronter ta toute première menace en tant que ranger de l'espace? Sure. Excellent. Ne t'en fais pas, Pika. C'est parfaitement normal d'être nerveux pour ta première mission. Mais je serai à tes côtés. Maintenant, il est temps d'aller affronter cette sorcière des mers qu'est Ursula. Je ne sais pas de quelles eaux hostiles elle vient, mais je sais qu'elle prépare un plan funeste. Il faut qu'on mette un terme à tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Pas de temps à perdre, allons-y. Bien dit. Est-ce que du coup ça va la réveiller? En vrai, si c'est ça, ça m'arrange. Écoutez, Buzz et Ursula. Oh putain, let's go. Avec un peu de chance, ça ira pas retourner dormir tout de suite. Ça serait parfait s'il va chez... Je crois que mes ancêtres n'avaient pas imaginé qu'on visiterait un endroit pareil. Ah! Ah, le jouet. Que puis-je faire pour toi, mon ange des mers? Mais pas tout le monde comme ça. Je suis Buzz Éclair et je suis là pour mettre fin à tes manigances. Mais manigances? Oh, je t'en prie, dis-moi en plus. Je suis ici sur ordre de la division Dreamlight Valley de Star Command. Ah, très drôle. Tu pensais vraiment me faire peur? Et j'ai vu des poissons blobs plus impressionnants que toi. Po po po. Eh bien je... C'est bien ce que je pensais. Bill, tu vas peut-être trouver un lapin à intimider. On y va, mais crois-moi, ce n'est pas terminé. Tu es là,
Il était temps. Alors, puisqu'on devient si proche, je vais te révéler un petit secret. Bon, parfait, du coup, ça l'a débloqué et on peut parler plus tôt. Nice. Mais d'abord, voudrais-tu m'aider une dernière fois? Bien sûr, allons-y. Eh bien, je recherche un item très puissant. Quand ma petite expérience pour extraire le pouvoir de la vallée a échoué, j'ai appris qu'un pouvoir sombre et puissant se tapissait dans les terres oubliées. Je ne veux plus travailler pour toi gratuitement. Je ne pense pas que je devrais... Un tel pouvoir devrait rester où il est. À présent, nous parlons le même langage, mon chou. Et j'ai exactement ce que tu veux. De quoi s'agit-il? Ne me dis pas que tu ne vas pas mourir pour sauver le prince Eric. Comment? Le petit bout de prince m'a supplié de sauver de souvenirs de sa chère Ariel quand l'oubli est arrivé. Et c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, à un prix. J'ai veillé à ce qu'Ariel quitte la vallée pour qu'elle échappe à l'oubli. Et à présent, il est l'un des invités de mon petit jardin. Quelle pauvre à mon perdition. Ariel ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Hiberlue, c'est la bonne chose à faire. Eric, c'est d'histoire ancienne pour moi. Passons à autre chose. Pardon? Tu perds de vue tout ce qui compte. Non. Ah, stupide humain. Le pouvoir est toujours ce qu'il y a de plus important. De plus, si Ariel est occupé à se languir de son amour perdu, au moins, je ne l'aurai pas dans les pattes. Maintenant, voici une suggestion. As-tu déjà envisagé de créer un jardin comme le mien? Je pourrais l'échanger contre ce que je veux. C'est envisageable. Je vais probablement libérer, mais d'accord. Oui. Oh Pika, toi et moi allons faire de choses merveilleuses. Maintenant à propos du prix, j'ai besoin que tu ailles explorer les terres oubliées. Il y a une ruine là-bas, qui sont liées à cette source de pouvoir. Apporte-moi ce que tu trouveras. Allez, du balai. Je savais qu'Ursula serait une ennemie redoutable, mais ça va être plus dur que je ne pensais. Elle n'a aucun respect pour moi, ni pour l'autorité de Star Command. Nous aurons besoin d'une nouvelle stratégie, mais par où commencer? C'est bon, ben, j'ai une idée. C'est juste un problème de relations publiques. Je peux fabriquer quelques prospectus buzz éclair pour que les rangers de l'espace soient connus comme les champions des innocents. Une force avec laquelle il faut compter. Une menace pour le mal omniprésent. Bonne idée! Nous montrerons aux gens que partout où le mal rôde dans la vallée, nous serons là pour le combattre. Et je sais exactement ce que tu peux utiliser pour fabriquer les prospectus. Par contre, tu devras retourner dans la chambre de Bonnie, où nous nous sommes rencontrés. Tu y trouveras des cartes à jouer, à mon effigie. Elles sont difficiles à trouver. Alors cherche partout, rassemble les cartes et viens me faire ton rapport. Ok. On va commencer avec Ursula. Hein. Et du coup je peux pas me TP en haut encore. Vraiment falloir que je débloque ça. Alors, les ruines. Il me semble que c'est à côté de l'hôtel avec l'orbe. Oh, mais il y a un coffre, là. Oh, mais il y a deux coffres, là. Oh, là. Il y a des fleurs rouges. On prend tout. Ah, pas de meubles. Ah, faut ramasser ça. Ah oui, d'accord. Oh, oh. Et c'est pas bon signe, ça, on est d'accord. Oh, il y a plein de fleurs rouges. Oh là là. On est d'accord, c'est rouge, hein. On est d'accord, ça marche pour la mission. Allez, je vous. Il y a une autre. C'est pas ce que je voulais prendre, mais pas grave. J'ai perdu! C'est par là. Bon, faut aussi qu'on avance les missions de Scar là. J'aimerais bien débloquer le passage des ponts. Faut éviter de faire le tour à chaque fois. Des thunes.
Hop là. Let's go. J'ai hâte de voir quels personnages arriveront dans la prochaine mise à jour. Car bon, vu qu'il reste une semaine pour l'événement et tout, je pense que une ou deux semaines après, il y aura la prochaine mise à jour. En plus, apparemment, il y aura de nouveaux trucs pour stocker. Ça va être cool. Et si on a des coffres avec plus d'espace de stockage, ça aiderait bien. Ok, celui-là est encore là-bas. Et c'est bien, ça va faire qu'on a terminé, qu'on va avoir terminé deux personnages émission au niveau 10. Donc ça, c'est cool. Donc les prochaines fois, les prochains personnages que je vais focus, ça sera Picsou et les persos de la Reine des Neiges, je pense. Oh non, je devais, c'est toi. As-tu trouvé quelque chose dans les ruines? Un cristal noir sur un piédestal. Waouh. Fabuleux. Pouvoir magie, c'est exactement ce que je voulais. Il y avait 4 piédestaux dans les ruines. Et quand j'ai ramassé, ils se sont tous mis à briller. 4 piédestaux dans les ruines, hein. Eh bien, les autres cristaux ont dû être éparpillés dans tout le village après l'oubli. La lumière doit provenir des ruines. Ils appellent les cristaux. C'est quoi cette position? Cherche partout dans le village, Pika. Repère ces cristaux sur leur piédestaux et attends de voir ce qui se passe. Ouais, prends celui avec toi, tu vas en avoir besoin. D'accord. Tu es très en forme. Il me manque 3 cristaux. Ok. Est-ce qu'ils sont enterrés ou pas? C'est des cristaux noirs basiques, donc je sais pas. Hop. Ouais, non, c'est pas les mêmes. Donc avec un peu de chance, il n'y aura pas à creuser, on les trouvera facilement. Où est-ce qu'ils peuvent être? On va aller voir là. On va faire toute cette zone. Comme ça, on fait aussi les hauteurs gelées. Pour l'instant, je vois rien. Enfin, je vérifie quand même au cas où il faille creuser. Après, si on a deux, c'est que c'est pas ça. Hein. Je pense pas qu'il y en a deux au même endroit. Après, ça étonnerait qu'il y en ait un autre dans les terres oubliées. Donc, je pense qu'on est pas, on y retournera en dernier vraiment s'il nous en manque. Oh, c'est ça. Bah non, c'est pas ça. J'ai dit on a un seul, donc c'est peut-être ça. Oh merde. J'avais fait cette petite déco toute sympathique. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Oh putain! Mais ça se voit bien en fait! Oh la vache! Ok, un. En vrai, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un au bayou et que le dernier soit au plateau ensoleillé.
Ça me paraît trop simple dans Nawar, dans la prairie. Bah tiens, regardez, il y en a un juste là. Ok, c'est un coucou. Allez, hop. Et après, c'est certainement du côté du pont. On vérifie là quand même. Il est là-bas, je le vois. Je l'ai vu. Bon, par contre, faut faire le tour. Ça, c'est chiant. Oh, une algue. Allez, bordel par là. Oh! Ah non, merde, elles sont oranges. Et j'ai cru que c'était des fleurs rouges. Ah, mais attends, ça c'est une fleur rouge. Je prends. Hop. Vas-y, on prend toutes les fleurs rouges dans le coin. Et on va placer les objets sur les pieds d'Asto. Donc j'en suis à 10. Parfait, on a fait la moitié. Alors. Hop. Impression qu'on est en train de faire un rituel. C'est pas rassurant. Hop là. Cristal magique. Ok. Pas rassurant tout ça. En vrai, avant de terminer sa quête, j'aimerais bien récupérer toutes ces fleurs rouges. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. Après, je sais pas s'il y en aura assez. C'est rouge ça? Ah non, ça c'est orange ça. Ah non, c'est rouge. Oh les gongs. Hop, hop. On a du rouge. Ouais, gros mignon. Et eux, je connais toujours pas leur nourriture. On n'a pas le la nourriture des compagnons quand on est là. Ouais, non, non, on connaît pas. Dommage que c'est pas donné. Au moins quand on en a eu un, quoi. Très bien. Il ne doit plus m'en manquer beaucoup des feux rouges. Oh là-bas! Peut-être avec ces deux-là, ça suffira. Non? Je vous jure. Il m'en manque deux encore. Ça, c'en est. Ok. Plus qu'une. Une dernière fleur rouge.
Là. Let's go. Hop là, et j'ai assez pour le tapis. Parfait. Et ben en vrai, il reste juste le traîneau qui m'intéresse, je crois. J'aurais bien aimé avoir les costumes aussi, mais bon. Tant pis, hein. C'est un peu cher. Il est beau le tapis. Oui, attendez. Hop. Voilà. On va vite faire revendre des fleurs et on va donner le truc qui est reçu là. Bon, vas-y, on va vendre des cerises aussi. Voilà. Il y a de l'orage et tout là, le temps de merde. Bon, Ursula, où est-ce que t'es? Au ponton. C'est parti. Après, on ira faire la quête de Buzz. Ensuite, on s'occupera des peintures avec les dessins de Donald. Et on terminera par essayer de monter de niveau des personnages. Allez, tiens! Bonjour, très cher. Le pouvoir! Et il est tout à moi! Les possibilités que renferme ce cristal seront sous mon contrôle! Ah 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 ah! Il est temps de libérer le prince Eric. Oui, bien sûr, comme promis, mon ange des mers. Ton pathétique prince Eric. Oh putain. Comment puis-je lui redonner son apparence? Oh, c'est à toi de découvrir comment régler ça. Il faut toujours lire les petites lignes, mon chou. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais t'offrir un cadeau. Prends cette tenue et ne laisse pas ta jolie petite tête se préoccuper de mon pouvoir grandissant. Je promets d'en faire bon usage. Ah cool. Tu as réussi à faire audio Eric, mais pas de la façon dont tu espérais. Tu dois annoncer la nouvelle à Ariel. Ah. On dirait presque qu'on est entré dans l'île. Ah bien, j'ai besoin de tuer. Mais quoi? Bah il était là 2 minutes. Wesh. C'est barré genre. Tiens, il est parti où? Ah il manque qu'on soit tranquille avec Ariel aussi. Ouais, que, en vrai, on va pouvoir débloquer le fait de pouvoir faire qu'en sorte qu'elle soit en dehors de l'eau, donc ça peut le faire. Non! Pitié, viens! Putain! Oh, t'es chiante! Pitié! Ah c'est bon. Donnez. Oh, bonjour. Quoi? Qui est-ce? Oh non Eric! Comment Ursula a-t-elle pu te faire cela? Pika, s'il te plaît, nous, nous devons le sauver. Toi tu vas être sur Rick et moi je vais aller parler à Merlin. Seul un magicien peut résoudre ce problème. Il semble toujours savoir quoi faire quand il s'agit de magie. J'espère que Merlin pourra nous aider. On se revoit. Ok. Je sais pas encore où je vais mettre sa maison. S'il habite pas avec Ariel. Ah mais t'es là!
Je peux voir l'avenir. Donc je sais que tu devrais me parler. Oui, oui. Bonjour. Le prince Eric était dans les griffes de la sorcière des mers pendant tout ce temps. Oh là là. Je vois qu'elle lui a rendu sa liberté, mais pas son corps. Ça ne m'étonne guère d'une crapule comme Ursula. Toujours à tricher pour obtenir ce qu'elle veut. Fais attention avec Aipika. Oh. Par chance, j'étais en train de lire un livre sur la transfiguration. Oh bah tiens, comme de par hasard. Il pourrait contenir la clé pour retransformer Eric. Ça s'appelle Transfigurer vos problèmes. Comment transformer une grenouille en prince en trois étapes. Comme c'est pratique. Pourrais-je emprunter après. Eric n'est pas une grenouille. Bien sûr qu'Eric n'est pas une grenouille. Mais c'est un prince. Et la magie, et même la magie s'applique. Donc quelle est la première étape? Voyons voir. La première étape pour transformer une grenouille en prince est de lui construire une maison digne de son statut royal. Imagine que ça veut dire que tu vas devoir commencer par construire une maison pour le prince Eric ici dans le village. Compris, construire une maison au prince Eric ensuite. Ensuite, le prince aura besoin d'objets pour s'ancrer dans le royaume humain. Une fois que tu auras fini de construire sa maison, où lui a pour trouver quelque chose d'important pour Eric. Et construire une maison et trouver un objet cher à son cœur. Compris. C'est quoi la troisième étape? Ton livre, la dernière étape est un classique, Pika. Un baiser d'amour véritable. Berk. Ne compte pas sur moi pour l'embrasser. Personne ne te demande d'embrasser Eric, Pika. C'est l'amour d'Ariel qui sauve Eric. Une fois que tu auras trouvé un objet approprié dans sa maison, apporte-le lui. Et demande-lui de dire son nom trois fois en imaginant Eric tel qu'il devait être. Elle devra restaurer son apparence. Pour que le sort permanent soit permanent, elle devra l'embrasser peu après. Bonne chance, Pika. Merci, c'est très gentil. Ok. Où est-ce qu'on va mettre sa maison? Bah, ça dépend à quoi elle ressemble en vrai. Mais ça va sur la pêche, ça. Un truc comme ça. Ça me paraît un peu gourmand. Faut voir. Est-ce que là... Je peux pas mettre ça plus loin. J'aimerais bien sa place là en vrai. J'aime bien cette zone. On essaiera de redécorer après. Et comme ça, peut-être que ça va éviter que ça se revienne ici à chaque fois. Ça, c'est chiant. Et après, c'est chiant, j'ai toujours les maisons au même endroit. Dans les trois mêmes zones. Le Bayou et tout, à chaque fois, ils sont un peu... abandonnés. Alors, non. Ah putain. D'ailleurs, je vais pouvoir déplacer la maison d'Urtula. Maintenant qu'on a terminé avec elle. Ok. Mal. Faut juste voir si on peut encore accéder derrière. Au pire, attends, peut-être avancer d'un pas. Ouais, mais ça va être chiant. Au pire, on peut peut-être passer par là. Bon, combien ça coûte? Bonne journée à toi. Ah, tu dois bâtir un château digne d'un prince. Pas de panique, les constructions Picsou peuvent te faire ça à bon prix. Oh, mais 10 000 aussi. Oh, mais putain. Je te promets que tu ne regretteras pas une fois que tu auras vu cette maison.
Oh vache, c'est grand. Et je peux encore aller derrière. Nice. C'est parfait ça. J'aime bien son endroit où on l'a mis en plus. Bon bah je vais lui remettre un petit peu de déco je pense. Merde non. Merde. On va utiliser filtre. Ah mais c'est art univers. Ah oui mais non. Y'a pas par zone. Oh, tant pis. Et on va mettre non un treillis on va mettre un petit truc comme ça là et on va terminer par des rochers. Plage enchantée. Ça c'est trop gros. Ça c'est bien. Au chelot. Ah mais c'est plus des trucs comme ça que j'aurais dû mettre en fait. Voilà, comme ça. Et mais tiens, on pourrait mettre des objets sympas. Ah mais attends. Tout simplement. Hop là, toi. Je vais te mettre là. Merde, ça a enlevé le pommier. Attends, je veux mettre un arbre. Pas que ça fasse vide. Merci. Hop là, parfait. Oh mais il est tout mignon ce petit coin. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est tout mignon. Très stylé. Limite. Juste décaler la maison de Donald. Voilà, et puis en plus, garder le ponton sur l'eau, là, c'est plus stylé. Enfin, sur la plage, c'est moins bizarre. Et tant qu'on est là, on va s'occuper de déplacer la maison d'Ursula. Donc maintenant, on s'en fout d'aller chez elle. Ça peut aller loin. Hop là, parfait. Je trouve que ça a bien sa place bien loin. Pas que j'aime pas, mais.
Bah du coup, tant qu'on est là, on va aussi améliorer au niveau max le bateau. Hop. Bonne journée à toi. Parfait. Incroyable. Et pour terminer, on va améliorer celui-là niveau max aussi. Parfait. Et peut-être qu'on terminera par débloquer le dernier puits qui nous manque. Comme ça, on pourra vraiment se taper partout. Hop là, et on sera bien. Bon. Maintenant, faut trouver un objet. Parfait, on va pouvoir aller voir le bâtiment. Putain, mais en vrai, il est grand le château et tout, il est stylé. On peut marcher dessus. Ah, ça, c'est bon, ça. J'ai peur que ça me bloque. Comme certains petits rochers. Ah oui! Ça déconne zéro ici. Une flûte. On va vous prendre la flûte. C'est deux fois plus grand que la maison de... Christophe et Lana, mais j'ai l'impression que à l'intérieur c'est la même taille. Regardez! Ah non, je suis toujours à 20 sur 21, pardon. C'est bien, ça bloque pas et tout. Non, franchement, cet endroit il est parfait pour le château. Alors, Ariel. Oh putain, il y en a un autre là. Ah, il est parti où? Ouais, il m'emmerde. Il manque qu'on termine ses quêtes à elle aussi. Hein. Allez! Non, t'es trop loin! Non! Reste là! Approche-toi, pitié! Tu m'énerves! Ariel, s'il te plaît, viens par ici. Let's go! Chute d'Eric. Je devais absolument venir te voir. C'est la flûte d'Eric. Il en jouait la première fois que je l'ai vu. Ouais, tu trouvais ça? Ça va nous aider à la sauver? Mais rien m'a dit comment ramener Eric. Tiens, la flûte visualise Eric dans ton esprit, prononce trois fois son nom. Enfin, scelle le tout avec un baiser. J'espère que ça va marcher. J'espère également. Eric! 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 Et maintenant, je vais l'embrasser, c'est parti. Waouh. Oh Eric, j'espère que tu peux ressentir à quel point je t'aime. T'en prie, reviens-moi. Reviens vite, me accueille Eric. Ouais. D'ailleurs, on a plus mal eu à accueillir Stig. Étonnamment. Bah voilà, on a tous les persos. Yeah. Regardez comment il fait son beau gosse, là. Que je te parle. Salut. Est-ce bien vrai? Je suis vraiment humain à nouveau. Woohoo. Je suis bien et c'est entièrement grâce à toi. J'ignore comment te remercier. Mmh. Oh et juste pour que tu saches, j'étais conscient tout le temps pendant que je me cognais à tout dans ton sac. J'ai vraiment moi nettoyé ce truc. Mais je ne sais jamais ce dont je vais avoir besoin. Attends une seconde. Où est Ariel? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce que celui-là lui a fait? Bien, celui-là est envoyé sur une île déserte, mais elle est en sécurité maintenant. Elle m'a aidé à te sauver. Mais dis-moi plus son histoire. Je te dirai tout, mais pas maintenant. Je dois aller voir. Je dois voir Ariel.
Oula. Waouh. Je suis tellement affamé que je peux à peine marcher. Je ne peux pas aller la voir dans cet état. Pas après tout ça. Je dois d'abord reprendre tes forces. Aucun problème. Je vais te concocter un repas digne d'un prince. Est-ce qu'un gazpacho, un ragoût végétarien ou une salade de fruits rouges fraîches te tenterait? Ça a l'air incroyable. Merci Pika. Oh, oh, il est trop... Ah, wow. C'est moi qui lui propose, mais c'est lui qui me donne les recettes. D'accord. Bah attends, on va déjà s'occuper de la quête de Buzz. Ce sera fait. Hop. Toy Story. Alors, carte à jouer de Buzz Éclair. Où est-ce qu'on va trouver ça? Il y en a trois. Ah, c'est dans des livres. D'accord. Donc là-dedans. Ouais. Et bien un livre là-dedans ou pas? Non. Où est le dernier? Là-dedans peut-être? Non. Oh attends, mais en haut je suis con. Je vais te voir. Ah quoi que. Est-ce que c'est... Ah là putain. J'ai pas vu. Hop là. Retourne voir Buzz. Où est-ce qu'il est? Il est chez lui. Mais au moins il dort pas, donc parfait. Et tant que j'ai creusé, est-ce qu'il y a besoin d'un truc à récolter ou pas? Je vais planter des oignons. Ça met combien de temps à pousser des oignons? ⅓ heure. Bah je récupérerai pas aujourd'hui, mais au moins j'aurai pour la prochaine fois. Juste est-ce que il y en a en vente dans un stand, je sais pas. Je sais pas où ça s'achète. Mais c'est la forêt putain. Au pire on améliorera ce stand. Félicitations pour cette nouvelle mission réussie, soldat. Tu as montré que tu pouvais localiser des ressources dans un environnement peu familier. À présent, voyons si tu trouves des ressources sans mon aide. Si on doit distribuer des prospectus Buzz Éclair, tu devras localiser
des feuilles de palmier pour les fabriquer. Bien, qui pourrait avoir des feuilles de palmier à nous prêter? Je vais dire Merlin. Je vais dire Merlin. Il écrit beaucoup pour ses recherches. Il vit quasiment dans une librairie. La bibliothèque est tellement encombrée qu'il doit y avoir du papier dedans. Waouh! Pense à toutes ces connaissances qu'il y a là-dedans. Je pense que nous aurons besoin de plus de papier que ça. Je vais voir avec Mickey et Donald aussi. Leurs maisons sont là depuis le plus longtemps. Je peux compter sur eux. Ils ne me les feront pas payer. Étant donné que nous n'avons pas discuté notre budget de fonctionnement, c'est un choix judicieux. Bien, une fois que tu as les feuilles de papier, combine-les avec les cartes à jouer Buzz Éclair en utilisant l'agent adhésif. Ensuite, apportez-moi pour inspection dès que tu as terminé. Plus de temps de rigoler, vite, à couvert. Du coup, on va aller voir à la forêt du courage. Quitte à terminer un nouveau stand de Gofer. Et d'ailleurs, ça coûte combien? 50k, oh putain. Alors que j'achète pour être tranquille aussi, mais pas tout de suite. Hein. Ouais, ça doit être aux alentours de 3000 aussi, donc 4000 peut-être. Ça doit pas être si cher. 7000! Putain. Alors, est-ce que tu vends de l'oignon maintenant? Oui! Graines d'oignon. Il faut que tu saches que j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. En plus, l'oignon, ça a l'air de servir dans pas mal de choses. Comment ça va? Oh putain, ouais, mais ça coûte cher. Allez, 60. Ouais. Ah, cher, en vrai, 60 pour 3000, ça va encore. On va planter ça tout de suite, ce sera fait. Je vais juste regagner mon énergie. Ah mais attends, vraie question par contre, combien on récupère? Ah non mais c'est en... je pense qu'on en a qu'un en plus des oignons, non? Quand on les récolte. Ouais putain, en plus il y en a qu'un. Donc quand j'y récolterai, faudra que je pense à les récolter avec Mimi. En avoir plein. Mais le truc c'est qu'il faut que je les vende des oignons. Moi qui voulais en garder pour la nourriture. Il en faut combien? Il en faut 40. Ouais donc faut vraiment que je pense à récupérer avec Mini. Pour en avoir plus. Attends, j'avais pas vu ça. Ah ouais, ça m'a donné un nouveau plat, j'avais pas celui-là. Un coup végétarien. Ah mais oui, t'as, c'est des plats que j'ai pas. Là non plus, j'ai pas. Par contre, ça a deux fruits rouges, je l'avais celle-là normalement. Gaspacho. Courgette, tomate, oignon, bah tiens, justement. Et une épice. Bah, courgette ou concombre? C'est peut-être plus concombre, j'ai rien dit. Ragout végétal. Oh putain, mais il me manque trop d'oignons. J'ai pleuré. Hey Mickey, je viens t'emprunter du papier, fais pas attention.
Et t'as pas des oignons, Mickey, s'il te plaît? Alors. Le pauvre, je lui mets du papier devant lui. Les villageois comptent sur toi, mon ami. Ok. Là. Et Donald. Ah oh putain, tes photos, ça me tue. Oh. Alors tu qui spawn devant. Et ici. Et ah non, faut qu'on aille revoir. Ah sinon je peux les fabriquer, ok. Il avait dit qu'il fallait leur retourner le voir. Avec tout ça. Let's go dans un établi. Ça aussi, il faut que je pense à en mettre un peu plus partout. C'est sympa d'avoir autant d'amis. Hop. Oh la vache. C'est ça. Là, c'est bien, on pourra mettre une maison. Pas stylé. Mais je sais pas qui, je sais pas quand. Alors, Buzz, tu dois être chez toi encore, je pense. Hop. Parfait. Mission importante à te confier. Excellent travail! Quand ils verront ça, personne ne doutera que les rangers de l'espace sont une force avec laquelle il faut compter. En fait, je vais personnellement en livrer un à Ursula. Et si je venais à Ursula? Tu as un rang trop élevé pour un travail comme celui-ci. C'est un travail parfait pour une nouvelle recrue. À l'époque, tu termines dans son jardin. Tu fais preuve d'un courage admirable, risquer de mettre Ursula en colère sur l'une de tes toutes premières missions. Ça m'impressionne. Eh bien, si tu penses arriver à relever le défi, vas-y. Puisque tu as fait tes preuves, je vais te choisir deux autres villageois pour aider à faire connaître Star Command. Je vais prendre Maui et Donald. Ce sont des héros, ceux qui me viennent en tête spontanément. Des personnes idéales pour répondre à la bonne nouvelle. Alors, je parie que tout le monde sera au courant de notre initiative. Les rangers de l'espace en a rien de temps. Ok. Bon, Ursula, c'est le plus chiant. Ne me dites pas qu'elle est chez... Oh, putain, tu m'emmerdes. Bon, on va faire Maui et Donald en premier. Hop là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un tas de photos rigolotes de Buzz? C'est un prospectus de Buzz Éclair. J'essaie de faire passer le mot sur ses faits d'armes les plus audacieux, comme ses nombreuses missions de sauvetage héroïque, son exploration d'Halle jouée à gogo, ses rencontres avec un ours maléfique nommé Lotso. Je parie qu'il n'a rien à faire. Je parie qu'il n'a rien à faire d'aussi courageux que de m'aider à sortir du bosquet ténébreux. Comme tu as fait ça pour moi. Et comme tu as visiblement besoin d'aide, je vais parler à tout le monde de Buzz et de ses rangers de l'espace. Ouais. Bon, attends, ça choque pas les photos du des figurés. Tu sais que tu as envie de me parler. Hop, allez, prends ça. Oh, salut. Qu'est-ce que c'est? Il y a un tas de photos dessus. Oh, j'ai déjà rencontré lui. C'est ce petit gars, Buzz. C'est un prospectus. Buzz Éclair, il raconte la légende de Buzz Éclair et de Star Command. Ce sont aussi des maîtres de l'orientation. Tu as attrapé le soleil de l'assaut, il a échappé à un brasier infernal. Tu as combattu un crabe géant, lui il a échappé à un chien hargneux 10 fois plus grand que lui. 10 fois sa taille. Donc genre, plus petit que mon bras. Mais hé, j'ai compris l'idée. Lutter contre un monstre, c'est lutter contre un monstre.
Comme si je n'ai jamais entendu parler de The Star Command. Les légendes ne doivent pas être très connues. Je comprends, ce n'est pas facile de construire une légende quand on débute. On a toujours besoin d'aide pour faire connaître cette histoire. Tu sais quoi? Je t'aiderai à répandre la légende de Buzz Éclair de Star Command. D'accord. Merci mec. Et tiens, salut Woody. Si tu ne sais pas quoi faire, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Bon, du coup, je vais devoir déplacer la maison. Ça m'emmerde. Il m'emmerde, Ursula. Ah. Tu es là. Qu'est-ce que c'est? Verk, tu m'énerves avec cette petite créature agaçante encore? Oh, je démerde. Ce sera pas mieux si je... Ça ne serait pas mieux si je la transformais en quelque chose qui ne peut pas bouger ou parler? Une anémone de mer peut-être? Lucas, s'il te plaît. Pourquoi es-tu autant en colère? Ton côté? Oh. Pose-toi la question, Trésor. Comment réagirais-tu si quelqu'un te harcelait sans arrêt juste à cause de ce que tu es? J'éprouverais que je peux être quelqu'un de bien. J'essaierai de comprendre la personne. Je ferai comme si j'avais changé. Comprendre? La seule chose que ce tas de ferrailles comprend, c'est quand les gens flattent son ego. Mais ça m'impressionne pas. Mais ça m'impressionne qu'on se demande autant de mal. On se donne autant de mal pour essayer de m'intimider. C'est presque charmant. Si ça peut lui permettre d'arrêter de me déranger, je vais faire semblant de respecter ce petit jouet agaçant. Allez, du balai. Ouais, bah c'est bon, je me casse. Mais t'es en métal 2 km, tu vas voir. Non mais où? Tiens, hop. Allez, so long. On peut terminer la mission de Buzz. Hop là. Alors. Non, je veux pas quitter. Parlez. Mission accomplie, Sada. La paix est revenue dans le village. Et d'après ce que j'ai pu entendre, Donald et Maui ont déjà commencé à répondre à la bonne nouvelle à propos de Star Command. Par contre, Ursula semble avoir reçu le message. Je n'ai reçu aucun rapport faisant état d'une quelconque manigance de sa part. Ravi d'avoir été utile. Quelle est notre prochaine mission? Attention à Ursula. Elle fait juste semblant. Ravi d'avoir été utile. Merci Pika, je te tiens au courant dès que je trouve une autre mission pour nous. Tu as du style, mon ami. Nice. Alors. Ça. Récupérer. Vérification du niveau de bonté. Tu as trouvé un panneau avec un étrange dessin de Donald dessus. Montre ce panneau vandalisé à Donald. Eh, regarde. Eh, Donald. J'ai trouvé un panneau qui te représente dans la prairie tranquille. Et on dirait que quelqu'un a dessiné dessus. Quoi? C'est quoi ce cirque? Qui oserait? Oh, je sais qui c'était. C'était Stitch! S'il recommence, je vais. Ah! Calme-toi! Prends une grande respiration. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment puis-je t'aider? Peut-être que je devrais juste rester en dehors de ça. Calmer? Pourquoi devrais-je rester calme? Chaque fois que j'ai le dos tourné, Stitch détruit quelque chose d'autre. Qu'a fait Stitch pour te mettre dans un état pareil? D'abord, il n'arrête pas de m'embêter. Il laisse des traces dedans. Dans mon ponton, vole les verres de ma boîte à appât. Et puis il m'a demandé si j'étais vilain comme un canard. Je pense que tu as mal compris Stitch. Une de ses histoires préférées est celle du bien petit canard.
T'as rien compris de travers, il a une dent contre moi. Alors j'ai mis ces panneaux autour du village pour dire à Stitch de ne pas aller dans mes endroits préférés. Une idée intelligente. Les bonnes clôtures font les bons voisins. N'est pas gentil, le village est à tout le monde. Stitch va-t-il respecter les panneaux? Exactement, et j'aime partager le village avec tous ceux qui se comportent bien. Mais Stitch, ne se comporte pas bien. Il ne respecte même pas les panneaux. Mais c'est pas tout, il a fait des dessins rigolos dessus. Peut-être que je peux parler à Stitch et essayer de lui apprendre à respecter ta propriété. Merci. Si Stitch ne me laisse pas tranquille, je vais réparer son vaisseau spatial et l'expédier sur la lune. Merci. Trop beau. Il est où Stitch? Mais il est encore là-bas. Ah mais attends, mais il y a Elsa qui est au restaurant maintenant aussi. Les villageois comptent sur toi, mon ami. N'abandonne jamais. Oui. Ça aide de fruits de mer. Oh bah je vais pouvoir te faire ça facilement. Salade de fruits de mer. Ah, j'ai plus énormément de salade. Hein. Hop. Tiens, Elsa. Tiens, bonjour. Hop. Bon, Elsa et Anna, bientôt niveau 9. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. On Stitch. Je m'appelle Stitch. J'ai entendu dire que Donald et toi aviez eu quelques malentendus. Pas malentendus, Stitch fait des blagues. Donald a dit couac. Donald, ami amusant. Ami, tu lui joues des tours parce que tu trouves ça amusant quand il s'énerve. Certaines personnes n'aiment pas ça, Stitch. Donald est assez énervé comme ça. Déjà assez énervé comme ça, même quand on ne lui a pas même quand on ne lui joue pas de tours. Et c'est vrai que c'est drôle. N'empirons pas la situation. Oh, tu veux que Stitch arrête jouer des tours à Donald? Niveau de méchanceté de Stitch trop élevé? Pas de panique, on trouvera une solution. C'est sûr que non, tu es juste un peu turbulent. J'ai peur qu'on soit en train d'atteindre des niveaux critiques de méchanceté. Stitch va faire mieux, promis. Pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas par réinstaller ces panneaux sur lesquels tu as dessiné? Je vais t'apprendre à réparer des trucs. Allons parer les panneaux de Donald. Il faut qu'on trouve du bois dur, du bois tendre et ces panneaux vandalisés. C'est bien, merci. Okay. Oh putain, faut plein de bois. Oh putain, faut plein de bois. Bois dur, bois tendre. Vas-y, déjà les panneaux. Voilà. Oui, il y a du bois dur ici. Ok, le bois tendre, c'est le bois normal. On va prendre tout ce qu'on trouve du coup. Pas de bois. Hop. Oh, plein de bois dur. Vu que le bois dur c'est plus chiant à avoir. Hop. Bien ça va, on en a pas mal quand même. Donc ça c'est cool. Y'a pas d'autre? Il a tout récup ici. Ah non, il y en a un. Allons chercher le reste dans la forêt. Ok.
là. Faut attendre. Bois dur. Pas de bois là-bas. Genre. Y'a pas beaucoup de bois. Y'a la crise. Là. Oh du dur en plus. Du coup il manque plus qu'un. Et après on focus ce bois tendre. Ah allez, let's go. Ça c'est fait. Hop. Tiens. Ça c'est du bois dur. Voilà. Donne le matériau à Stitch. Ok. C'est parti. Hop. Putain, il est parti. Il n'y a plus que Elsa maintenant. Ah, est-ce que ça change toutes ces heures? Possible. Il est chez lui. J'espère qu'il va pas dormir tôt. Attends que je parle de cet endroit à Zigzag, il ne me croira jamais. Vas-y, ramène Zigzag ici, ça serait bien. Hop là. Aidez Stitch, vite. Donnez. Oh, c'est quoi? C'est fer, mec. C'est ce dont on va avoir besoin pour réparer les panneaux. Regarde-moi en... réparer quelques-uns à la station d'artisanat, puis tu pourras le faire toi-même. Ok, après Stitch, bon à réparer et détruire. Évite de détruire. Allez, viens, 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 viens. Viens mon petit Stitch. On va aller chez Dingo. Hop. Deux. Regarde. Voilà les panneaux que j'ai réparés. Tu peux réparer ce panneau maintenant? Je pense que tu es prêt, allons-y. Tu n'avais pas l'air de faire attention à ce que je t'ai montré comment faire. Voilà. Fais juste attention, ok? Toka, Taka. Oh. Regarde, tu t'es rendu mieux qu'avant, hein? Super, pas mal pour un premier essai. Un peu bizarre. Tu devrais abîmer plus ce panneau pour s'entraîner à réparer? Ça va, je pense qu'il existe d'autres manières de s'entraîner. Allons installer ces panneaux dans la prairie tranquille. Ça devrait être prouvé à Donald que tu peux respecter son espace dans le village. Oh putain. Trois. Oh les gueules. Hop. On va en mettre un là. Et on va en mettre un. Là. Hop là. Panneau réparé et réinstallé. Niveau de bonté de Stitch haut maintenant? Pas tout à fait, il faut encore que tu ailles présenter tes excuses à Donald. Tes excuses, ça aide vraiment à faire augmenter le niveau de montée. C'est la bonne chose à faire. Si tu ne le fais pas, il ne va jamais arrêter de râler. Stitch doit dire pardon. Stitch pas bon pour les excuses.
Pas de panique, si tu es sincère, c'est facile de s'excuser. Le plus important, c'est de dire avec le cœur, de ne pas faire la même erreur. Juste en finir avec ça. Yoki, nous avons trouvé Donald et Stitch a dit pardon. Ah bah il est juste à côté. Quack ! Bon, encore toi ! Quel genre de mauvais tour tu vas encore bien pouvoir me jouer ? Pas tour, juste dire pardon. Pardon ? Maintenant, je sais que tu es en train de me jouer un tour. J'ai un cerveau. Je ne vais pas tomber dans les panneaux. Comme ça. Non, non. Pas de tour. Pika aide Stitch à réparer les panneaux et à s'excuser. Pardon. Maintenant, c'est fini. Comme Pika a dit. Oh merde. Eh bien, si vraiment ce n'est pas un tour... Anna, qu'est-ce que tu fous? Dans ce cas... Oh, allez, je te pardonne. Pour le moment. Et je garde un œil sur toi. Et ne t'avise pas d'essayer de recommencer. Parlez à Stitch, s'il te plaît. Salut. Donald apprécie les excuses de Stitch. C'est vrai? Tu as fait de super bon travail. C'est vrai. Je suis content que ce soit terminé. Je garde bon niveau de bonté, promis. Juste faire des blagues à Donald parfois. Y'a rien compris. Bon, pas grave. Hop, ça je prends. Oh ouais. Il est chaud. Il est chaud. OMG. Oh yeah. Bibou. J'ai beau. Oh, il est reparti. Mais bon, c'est bon, j'écoute, arrête, arrête. Bon, toi. Le problème, c'est que je manque d'oignons. Je manque d'oignons. Ah, je manque de concombres aussi. Oh merde. Ah mais non, j'avais assez d'oignons en plus. Ah, du coup, il manque vraiment que le concombre. Ah, c'est chiant. Salade de fruits rouges, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc ça, par contre, ça, on a de quoi faire. Parfait. Bon bah il me manquera le gazpacho. Bon. Qu'est-ce que veulent les gens que j'ai pas terminé là? Stitch. 10 étoilés orange, boule de neige. Poisson créole, baudouin. Oh mais toi t'as que des trucs que je sais pas faire. Ah putain, je voulais des capucines rouges, j'aurais su, j'aurais gardé. Putain, pareil pour la liste de la passion rouge. Après, on peut faire le poisson savoureux. Normalement, je l'ai ça. Poisson savoureux. Ça. Ah, mais ça coûte pas cher en plus. Ouais, c'est pas grave si on leur donne plein de cadeaux chacun. Le but c'est au moins de monter niveau 9. Comme ça, j'ai montré niveau 10 hors stream, je pense. Et au moins un niveau de plus, ça serait bien. Ah, mais attends, plus de détails. Ah, mais regardez, on peut tout voir. Oh, trop stylé, on a un bateau à la fin. Est-ce que c'est un bateau grandeur nature? Oh, et putain, ça me donne envie de mettre niveau 10.
Ah mais Christophe aussi, il est bientôt niveau 9. Mais le porridge, j'ai pas encore. Je sais pas comment ça se fait. Et Elsa, gougère ou pomme de terre? J'ai plus pomme de terre. Patate. J'ai plus de patate. Carpe au four. Hein. Comment on fait ça, la carpe au four? J'ai la carpe et les trucs au four. Faut deux ingrédients. Est-ce que ça se fait avec des patates aussi? Ça m'étonnerait pas malheureusement. Wesh, tout ce qu'il y a. Ça, je crois qu'il faut du lait, de la canne à sucre et un fruit. Attendez. On va voir. Canne à sucre. Et un fruit. Alors, framboise. Je tente. Oh, let's go. Voilà, comme ça, on a. Et pour les prochaines fois, on connaîtra. Nice. Bon, du coup, pour Elsa, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. On va voir Christophe. Ah putain, mais c'est lui qui veut le porridge. Bon, sinon, on va lui donner un lingot d'or, pas grave. Est-ce qu'on a d'autres? Bah, eux. Je vous avancerai la prochaine fois. Je vous avancerai en stream, en vrai, la plupart. Je pense pas qu'on va pas tarder à arrêter. Je pense qu'on va faire. On va donner les cadeaux et je pense qu'on va s'arrêter. On n'a plus grand chose à faire. Je récupérerai ce qu'il faut pour la prochaine fois. Et je montrerai le niveau des petits persos. Déjà, Picsou, faut que je termine. Vraiment, je pense que je vais essayer de focus. Faire des tranquilles avec lui, une bonne fois pour toutes. Faut que je récupère l'orbe du matin, là aussi. Comme ça, on pourra avancer Mergothel. Et les trois là, faut qu'on y mette niveau 10. Alors du coup, on a le poisson savoureux, on va chercher le lingot d'or. Hop. Et je pense qu'après on s'arrêtera. En vrai, on a quand même fait pas mal de choses. En plus d'avoir deux persos, on a fait un peu de déco. Des petits coins et tout. Ouais, non, franchement, c'est très bien. Vas-y, on ira chercher les poissons. Voir un petit peu ce qu'on peut avoir maintenant que c'est niveau max. Ah, et qu'on va peut-être débloquer aussi le dernier puits qui nous manque. J'ai plein de lingots d'or en fait. Je crois que j'en avais dans un autre coffre aussi. Ah putain, Christophe il dort, il est chiant. Te voilà.
voilà. Bon, et toi, au moins, monte de niveau. Parfait, niveau 9. Oh. Ok, un autocollant. Vas-y, beaucoup. Déçu. Ah oui, donc Stitch Asterlo il dort, ok. Donc ça va être chiant aussi. Ah, il buzz. Oh putain. Donc il dort, ouais, faut se réveiller un peu. Les poissons, du coup. Vas-y, on va aller faire ça. Est-ce qu'on a peu... Oh, on peut avoir des beaux droits. Oh, ça, c'est bon, ça. Nice. C'est bien pour la thune. Comment ça va? Hop. On va vendre ce bébé petit. Bah, du coup, on va vendre un lingot d'or, écoutez. Hop. Hop. Parfait. On va aller débloquer le dernier puits. Comme ça, on pourra se TP. Et en vrai, on va vous regarder aussi. Peut-être qu'on peut acheter une patate au stand de Dingo. Est-ce que tu vois une patate? Merde, il vend pas de patate. Mais c'est ici les patates normalement. Ouais. Il n'y a pas de patate. Alors que. Que j'améliore. Bonjour. 10 000. Ça coûte cher, mais au moins, on est tranquille. Let's go. Eh bah parfait tout ça. On a bien avancé. Oh, il y a des capucines rouges. C'est qui m'a demandé? C'est Anna ou Elsa? Oh, c'est Elsa, let's go, parfait. Ça fait plaisir. Pas sûr qu'elle monte niveau 10, niveau 9. Mais au moins... Ça l'avance. Hop. Bonjour mon ami. Tiens. Cadeau. T'as pas niveau 9. Ça donne que dalle. Je veux de l'ouragan. Ça donne rien, je pleurais. J'espère qu'on se reverra vite. On peut faire un peu au pif au pire. Mais même pas de la salade à chaque fois. C'est pas grave. La salade, je n'en ai plus beaucoup. Bonjour. Allez, tiens. Parfait, niveau 9. Et je monte de niveau, moi aussi. Parfait. Niveau 39. Waouh, un lit. Nice. Ok. Bah, parfait. Est-ce que j'ai pas un dernier truc que je voulais faire? De toute façon, l'oignon, faut attendre que ça pousse.
Fabrique une chef de Noël. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une chef de Noël. Comment ça, une chèvre de Noël ? What ? Oh ! Cadeau délicieux. Meubles. Des fruitiers ? Ça, c'est moche. Ouais. Ah, c'est ça la chef de Noël ? Ouais, non, mais le tissu, au secours. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on va s'arrêter là. Bah, c'était très cool. Franchement, débloquer les nouveaux persos là. Du coup, on avancera un peu ça pour la prochaine fois. Je verrai si on se refait un stream avant la prochaine mise à jour, qui sera je sais pas quand. Ça dépendra si j'ai vraiment beaucoup de quêtes à faire. Je pense qu'on s'en fera un, genre si j'ai au moins 5-6 persos avec des quêtes. Non, parce que là, regardez, mon reste skill. Et en vrai, j'ai lu. Wally. Ah putain, je n'avais pas pu le faire parce que j'avais pas le prince Eric. Mais ça y est, maintenant j'ai le prince Eric, du coup on va pouvoir faire la mission de Wally. Oh. Ah, ça c'est bien ça. Donc on va pouvoir terminer avec Wally les missions. Donc dans l'idéal, ça serait que pour la prochaine fois, on puisse terminer et Anna, Elsa, Christophe, Picsou. On va bien avancer Ariel aussi, histoire d'être tranquille. Comme ça, on aura terminé tous les persos qui sont dans l'eau et qui sont chiants à parler. Puis voilà. Bon, comme ça, on a avancé les récompenses. Donc si pour la prochaine fois, d'ici la prochaine fois, si j'arrive à voir le traîneau du Père Noël, ça serait parfait. Bon, bah, c'est nice tout ça. Et ben, on va se laisser là pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour du Gmod avec les copains. Le petit event Gmod, ça va être cool. Et puis samedi, on se fera l'après-midi chasse. Donc voilà, on va essayer d'avoir du chenille, ça va être très cool. Wally Wallou ! Et bah sur ce, j'espère que ce stream vous aura plu. Il était très cool. Je vous donne rendez-vous demain 20h. Rendez-vous. Et puis voilà. Vous êtes à tous une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.